Bonjour tout le monde. Jodi a nous le 24 novembre 2020. Moi c'est Didier Alien. Moi très content avec nous comme chaque matin. Si nous avons un aspect dans la vie nous, que nous avons aimé changer et que nous pas jamais changer et que nous pas qu'à changer. La réalité c'est que nous trop confortable pour tenir et nous pas parer pour nous faire changement. Nous sommes nous pas parer mais nous pas voler tout parce que nous à l'aise. Parce que nous associer plus douleur à changement que à rester joyeux. Pour qui ça? Parce que quand il y a familier, quand il y a assez lourd qu'on est, quand il y a assez confortable, et confortable pour. Donc à la base de plaindre et puis de répéter même bagaille, yo besoin faire ci, pas faire ça. C'est quand ça casse tête pour grand merci. Pour grand merci. Prends conscience que au fait ou peur, prends conscience au fait que ou peur inconnu hein, ou peur changement, parce que au cas évaluer ça va perdu ou pas aucune idée de soi pour gagner. Et en général c'est sous soi pour gagner pour focus pour un changement, mais nous toujours rester collé dans ça nous connaît hein, nous rester collé dans familier, nous rester collé dans confort là, dans ça confortable là. Et me dit déjà vrai la vie a commencé en dehors de zone de confort nous. C'est une compétence que pour nous toutes, tout être humain qui vit là, doit acquérir. C'est vivre confortable avec inconfort. C'est vivre confortable sorti dans zone de confort nous. C'est vivre confortable vivre dans incertitude. Parce que pas grand qu'une certitude là. Ça veut dire l'autre dans monde qui besoin ah moi mettre travail moi faut me changer travail la répéter ça depuis 4 ans depuis 5 ans depuis 8 ans pas pareil pour faut qu'un changement pour y savoir sur toi confortable et toi à l'aise côté là toi à l'aise dans ça la faire elle peut prendre chance affronter inconnu donc il peut bailler tête ni chance mais la plupart du temps bailler ça veut toujours retourner sur nous à yon manque que nous gagne dedans à une sensation que nous pas assez à une sensation que et nous pas assez bon. En sensation que nous probablement pas mérité. Nous pas mérité changement, nous peur changement. Mais réalité a c'est que c'est parce que nous mettez changement dans une catégorie, dans une case, dans un panier qui trop drastique. Ça veut dire que ou son monde qui pas fait un exercice physique, puis brusquement ou va dans gym 5 fois par semaine. Ou son moun ki pa reme fè ekonomi et puis brusquement vle économiser 50% salaire. Ou son moun ki pa konn et al networking, al rencontre nouveau moun et puis brusquement vle al nan tout événement networking pour rencontrer 50 moun. Ou pa ka fè comme ça. Nous gon problème de bienveillance envers propre tête nous et de tendresse envers propre tête nous. Faut nous prendre faut commencer côtoyer. Propre ba la mosso pa mosso. Ou commencer avec parce que changement ça qui passe pour faire un changement il y a plusieurs étapes dans changement. Première étape là c'est que vous avez un désir là pareil dans tête. Deuxième étape là c'est que vous venez vous contempler. Donc vous commencez à réfléchir à qui soit qu'a fait pour changer, qui action qu'a venu, qui gens qu'a poser action. Troisième étape là c'est que vous parlez et ou action il fait un premier pas côté que vous gagnez ça en monde ou parler, vous gagnez ça avec coach là ou parler, vous gagnez ça on dit c'est si c'est moi rencontrer jusqu'à ce que au fur et à mesure venir parce que rationnellement dans tête ou ou ka konn on bagay mais émotionnellement dans toute cellule corps li pou ko suivre côté tête ou donc faut bay rationnel faut bay émotionnel ou temps pour l'autre vinn joindre rationnel là mais yon bagay ki certain c'est que autour de moi et sous planète là en général en pile être humain 90% être humain trop confortable yo trop à l'aise yo pa vle konnen. Yo refuser sortir de petit bulle yo wa. Nous chaque nous rentrer dans bulle nous créer bulle là et puis nous refuser sortir de bulle là. Tout autour dans bulle là va survivre. Quel que soit grosse bulle que vous faites toi. Si vous voulez vivre, pétez bulle là, regardez ça qui est dehors. Et à chaque fois qu'on a un nouveau bulle, faut péter le bulle là, venir pigo pour regarder chaque qui est dehors, c'est sa vraie expérience là, c'est la jus la vie. Donc aujourd'hui, m'avait invité nous péter bulle nous. Essayer de faire preuve d'ouverture d'esprit et à regarder ça qui est en dehors de bulle là.
parce que gran pile belle bagaille de ouais gran pile bon bagaille gran pile gros bagaille mais c'est pas dans rester dans ti bagaille dans ti cocon dans ti ça me crée et ben penser que c'est ça la vie aïe. Donc m'a pas évité nous même je m'a pas évité tête moi faire on pété bulle ça on fait vinn pigou on a pété pigou on a fait vinn pigou 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 jusqu'à ce que nous cap prend maximum et dans expérience la vie. Sur ce m'a souhaité une très bonne semaine qu'embella n'a pas demain.